Il est 11h à Beni, 12h à Kampala. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 10h. Une nouvelle ère semble s'ouvrir entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les deux pays viennent de sceller depuis hier mercredi leurs relations à travers le projet de construction de route Kasindi-Beni, Butembo-Goma et Bounagana. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni, se sont respectueusement retrouvés à Kasindi pour lancer ce projet qui va aboutir à la croissement des activités économiques et à l'éradication de l'insécurité. Reportage. La rivière Lubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Kasindi-Beni, 85 km, Beni-Butembo, 54 et Bounagana-Goma, 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour qui se termine pour paix. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni-Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès lors où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse, et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons, nous, Congolais, encourager ce projet, et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusque à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternel, bien sûr, entre nos deux peuples. So, I want to thank His Excellency Tshisekedi. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur Tshisekedi, for bringing Congo into the East African Community. Et de nous avoir conduit dans cette union africaine. Because Congo outside the East African Community was artificial. Parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est, sans parler du Congo. Because all these are part of East Africa. Parce que tout ce que nous voyons ici fait partie de l'Est Afrique. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.
Une fois asphaltée, la route Kasindi-Beni-Butembo-Bunagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Trois morts, c'est le bilan du crash survenu hier mercredi à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. L'avion appartient à la société d'aviation Kin Avia. Les détails avec Robert Ndaï. Bukavu, province du Sud-Kivu, aéroport de Kavumu, il est 11h heure locale. L'appareil LT-410 de la compagnie Kin Avia, reliant la ville de Bukavu à Shabunda, s'écrase dans la vallée de Butchumba 4 minutes après son décollage, causant ainsi trois morts, dont le pilote Igor de nationalité russe, son copilote Chris de nationalité congolaise et le chef de bureau du tourisme de Shabunda, dont l'identité n'a pas été révélée. Ce mercredi 16 juin 2021, c'est la consternation totale. Cet appareil était un affrètement de Congocom et Maison Afka. Selon des mécaniciens de la compagnie Kin Avia qui ont requis l'anonymat, l'appareil ne présentait aucun problème technique. Mais par contre, certains témoins joints à Bukavu affirment constater un problème de pneus lors du premier vol avec 11 passagers. L'avion a fait le premier vol sans problème. Mais le matin déjà, il y avait un problème de pneus. On l'a réparé. Il a fait son premier vol sans problème avec 10 passagers. Quand il a embarqué le deuxième vol, pour le camp de la maison Afka, le problème s'est posé et s'est écrasé 4 minutes après son décollage. Voilà la situation du crash de la compagnie Kin Avia. Unième crash vient alourdir le nombre des avions qui finissent leur course dans ces vallées de Bukavu et soulève en même temps la véritable question de maintenance de nos appareils en République démocratique du Congo. C'est le retour à la vie normale à Beni. Tout le monde va à ses occupations. Constat fait par notre envoyé spécial, Françoise Boulabouaki, sur place à Beni. À la découverte de la ville de Beni, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongé existe aussi à Beni. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre. Et aussi, nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols tantôt, les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là, on va bloquer et l'amener au service de l'État. À une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture opérationnel depuis 4 ans. Bon, surtout les femmes de Beni préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jupe pagne, jupe à quai de poisson, 6 parties, 8 parties. Tous les gens ont matériel, tous matériel sont. Au marché central de Beni Kilokwa, on y trouve un peu de tout sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages. Des produits viennent de Kasindi, en terre congolaise. Autant que ces tomates fermes. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Madame Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis, l'hôte mercredi du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso et son interlocutrice ont abordé des questions ayant trait aux droits de l'homme. Sylvie Muyembo nous en parle. Conduite par les diplomates américains en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Lisa Peterson, a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso Kodiapwanga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions langue avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023,
parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue de dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale, pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les États-Unis d'Amérique maintiennent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais, qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national. Également dans l'actualité, la tradition a été respectée à la primature. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a présidé mercredi la réunion de conjoncture économique au centre La Stabilité sur le plan économique. Les précisions avec Patti Tondouangou, Marcel Mubinga. La température économique en République démocratique du Congo se stabilise davantage. Les constats sont du comité de la conjoncture économique, réuni autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, ce mercredi 16 juin à l'hôtel du gouvernement. Au niveau mondial, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local. Au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations et le Premier ministre nous a exhorté à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé au ministre des Finances et au ministre du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne pète pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la troisième vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Les chefs de l'exécutif national a saisi cette réunion pour exhorter les ministres sectoriels à la vigilance tout azimut pour éviter les confinements nocifs à l'économie suite à la troisième vague de la Covid-19. À Goma, dans la province du Nord Kivu, le pire semble passer. L'heure est maintenant au bilan. Sujet évoqué par la MONUSCO au cours d'un point de presse. Mamita Bangoulou, explication. À partir des trois endroits différents, à savoir Goma, Kinshasa et Beni, la conférence de presse de ce mercredi 7 juin 2021 était axée essentiellement sur la situation humanitaire en RDC. Pour ce faire, la représentante du HCR, Madame Lise Aou, a annoncé à la presse la célébration de la journée des réfugiés qui sera organisée ce 20 juin. Et cette journée aura comme thème « Ensemble, on peut tout réussir ». Face à cette situation de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a provoqué les déplacements de plus de 450 000 personnes de Goma pour trouver refuge au Rwanda, le HCR s'y est penché. La situation du déplacement en RDC compte les déplacés internes ainsi que des réfugiés qui sont arrivés en RDC. Et pour nous, déjà sur le terrain, on a octroyé du matériel à certaines localités, à certaines autorités, pour qu'ils enregistrent les gens qui se sont abrités chez eux. Par exemple, à Sake, on a donné des computers, on a donné des imprimantes, on a même donné une moto à l'autorité locale. On les a enseignés, encadrés, on a mis à disposition des moniteurs qui pourraient les assister. Pour répondre aux besoins de la population, le HCR a pu fournir des abris collectifs afin de congestionner les églises, les écoles, ainsi que des articles de première nécessité tels que des bâches, des couvertures et des kits d'hygiène. Rappelons
pour ce faire que près de 5000 maisons ont été détruites à Goma par l'éruption du volcan Nyiragongo. Pour le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, il en a profité pour transmettre le message selon lequel la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné la multiplication des messages incitant à la haine, la violence et l'hostilité entre communautés dans plusieurs province du pays, car cette attitude est incompatible au droit international et à la législation congolaise, portant entorse à la société démocratique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur la chaîne nationale.